Ce jour-là, on est samedi 11 novembre, boulodrome de Rumilly, jour de finale, championnat du monde tir relais mixte. C'est-à-dire que c'est une épreuve de course de 5 minutes où un garçon ou une fille vont se passer le relais à peu près toutes les 20 secondes pour exécuter 4 tirs. Le but de l'épreuve, hein, c'est frapper le plus de boules que son adversaire, des boules cibles qui se situent à 13 mètres et à 15 m 50. Ça joue l'après-midi, il y a beaucoup de monde, les tribunes sont pleines et ce jour-là, on va affronter la Turquie qui a fait son record national. On a fait le record du monde une semaine avant, 56 touches sur 58 tentatives. Et voilà, 54 et le dernier relais pour aller établir un nouveau record du monde. Le vrai record du monde pour les Français avec Guillaume Abelfaux, 55 et 56. Oh, bravo, nouveau record du monde bravo, pour bravo, les Français. Bravo. Le record du monde est à 54, on l'a augmenté de 2 touches et il n'avait pas bougé depuis quelques années. C'était un moment fort de notre carrière à tous les deux, mais qu'on a savouré très rapidement parce qu'il fallait vite basculer sur le championnat du monde qui arrivait. Pour faire un grand tir, pour faire un tir de champion du monde, ce qui est indispensable, c'est de bien partir. C'est de réussir la première boule. Dans le relais mix, c'est souvent les hommes qui partent devant parce qu'on va un petit peu plus vite à la course. Et moi, j'ai fait le choix de partir à 3 pas pour gagner du terrain sur cette première boule, alors que tous mes autres tirs sont effectués à 4 pas. 5 minutes pour aller chercher ce titre mondial. C'est parti, France-Turquie. Guillaume qui bondit hein, quand il tire sa boule, il bondit comme un félin, regardez, c'est bien. Ça me permet d'être plus rapide que mon premier adversaire et de frapper la boule avant lui, tout simplement. Le deuxième objectif, c'est de frapper les 4 premières. Quand tu as frappé les 4 premières, tu passes le relais à ta partenaire et elle se dit il a déjà fait 4 sur 4. Et on reste sur une dynamique positive. Après, voilà. Florian a son taf à faire aussi derrière. C'est bien, il faut rester concentré. Hein. Alors, ce qui se passe à la fin de ce premier relais, 4-4, égalité, Florian, très bien. Premier tour de la Turque. Allez. Cette épreuve, elle demande beaucoup de précision, mais aussi la vitesse. Et grosse endurance, parce qu'en fait, la fille tire avec un garçon qui va plus vite. C'est-à-dire que moi, mon temps de récupération, il est plus court, parce que Guillaume, il tire en 18 secondes, et moi, je vais tirer en 21-22. Tous les passages, elle va avoir 3 secondes de récupération en moins. Donc 3 secondes plus 3 secondes plus 3 secondes. Elle va se retrouver avec 30 secondes, voire plus de récupération qu'elle n'aurait pas eu avec une fille. Allez, c'est bien ma Flo, c'est bien. Allez, Guillaume Abelfaux qui repart. Allez Guillaume, cette course d'élan, regardez, il a un petit peu d'avance déjà sur sa course. Guillaume, par rapport à son adversaire, ce qui peut être très important à la fin. L'idée, c'est d'essayer de retarder le premier échec le plus loin possible. Allez ma Flo, super ma Flo. Superbe, l'équipe de France qui est devant. Si la première minute, il n'y a toujours pas d'échec, la deuxième minute, il n'y a toujours pas d'échec, là, c'est une course qui commence à se savourer. Bien, c'est bien. Allez, on est à plus de toujours. Maintenant que le départ a bien été négocié, la deuxième partie de course, il ne faut pas savoir si tu es devant, si tu es derrière. Il faut continuer à bien exécuter tous tes tirs, que la technique elle soit parfaite. 3 minutes, c'est devant. Rien n'est fait. Mais Elle maintient cette pression. Elle le veut ce titre. J'avais à cœur de gagner quand même ce premier titre mondial parce qu'il m'avait échappé à plusieurs reprises. Allez, 31, allez, après Guillaume. Plus de... Il faut tenir. Guillaume est exceptionnel parce qu'il n'a fait qu'un trou depuis le début de l'épreuve. Et ça continue. J'ai toujours voulu tirer mieux que Florian. Ça a toujours été un challenge entre nous. C'était une petite compétition entre nous parce que voilà, je me suis dit je peux pas. Je peux pas mal tirer et qu'un titre échappe à Florian. Et il y a un truc qui me marque quand même, c'est à la fin quand tout le public se lève et crie « Allez la France, allez la France !» Et là, c'est là où je me suis dit « Je crois qu'on est en train de gagner !» Allez, allez ma petite Flo, 4 boules, il tu vas l'avoir ce titre champion du monde. C'est rien, allez, Florian, c'est rien. On continue. 15 secondes, c'est Guillaume qui va finir. Bien ma Flo, bien, super. C'est bien, c'est bien. Je sais que ça sent bon déjà. Allez Guillaume, allez, moins de 10 secondes, 3 boules d'avance. Et pour moi, je suis toujours focus parce que ça n'a pas sonné. Et je m'interdis de penser à autre chose tant que ça n'a pas sonné. 3 boules d'avance pour les Français. C'est exceptionnel ce que font les Français. Il va aller chercher ce titre des champions du monde. J'ai voulu rapidement mettre les pieds au sol pour attraper Florian et la féliciter. Elle était en pleurs, c'était des moments de joie incroyables. C'était vraiment génial. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'elle était heureuse et j'étais aussi heureux qu'elle, quoi.